à jamais. Il n'y a pas d'appel et que l'appel se fait par une seule personne, c'est difficile. Je déteste le manque de confiance. Je déteste plus le mensonge, le manque de communication. Quand il y a manque de communication, la relation ne peut pas exister. Bonsoir chers abonnés de Chic Bulle, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui nous sommes à Makori, précisément sous l'échangeur. Et le thème du jour est très simple. Que détestez-vous le plus dans une relation amoureuse? Chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker. Faites-nous également des propositions de sujets. Partagez également nos vidéos via les réseaux sociaux. Alors, pour plus de détails, on se dit à tout de suite. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Ma caméra. Comment tu vas? Ça va. D'accord. Que détestez-vous le plus dans une relation amoureuse? La jalousie. La jalousie, seulement la jalousie? Oui. Et l'infidélité, tu fais quoi de ça? Non. Ça me dirait. Mais la jalousie, hein. Non, ça veut dire que tu tombes sur un gars qui a l'argent, qui est infidèle, qui te ment, mais qui n'est pas jaloux, ça roule, quoi. Ça roule. Ok, merci, très bonne journée. Merci. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Le thème du jour est le suivant. Que détestez-vous le plus dans une relation amoureuse? Dans une relation amoureuse, vous voulez qu'on dise la vérité? Oui, allez-y. D'accord. Bon. Dans une relation amoureuse, ce que moi personnellement je déteste le plus, c'est... quand il n'y a pas la communication. Je clarifie, ça dit, je vais simplifier. Ça dit, le manque d'appel. Quand c'est toi, ce tu es là, tu appelles son nom, on dirait... Bon, je ne sais pas comment je... C'est toi, ce tu es amoureuse dans cette histoire. Voilà, moi, je ne sais pas. Moi, ma mère. On dit, ce sont les deux mains qui se lavent. La vérité. On dit, c'est une seule main qui se lave. Donc, du coup, le manque d'appel, quand il n'y a pas de choses, comment on appelle ça, quand il n'y a pas d'appel et que l'appel se passe, se fait... pas une seule personne, c'est difficile. Justement. C'est difficile. Vraiment. C'est vraiment difficile. Et au finish, c'est-à-dire à la fin, toi-même, là, tu te remets en cause. Parce qu'arrivé à un certain moment, tu te dis non, que c'est toi-même tu fais les trucs et puis ça avance pas. Oh Dieu. Ça marche pas, tout ça. Donc, du coup, le manque d'appel. Et puis aussi, l'ignorance. L'ignorance, comment? Explique-moi. Il n'y a pas de l'ignorance, c'est-à-dire, quand tu appelles et que la personne voit tes appels et puis la personne ne rappelle pas et que toi tu insistes et que toi tu envoies des messages, ton téléphone te dit ça fait accusé de réception et puis la personne ne te répond pas, tu ignores. Il y a l'ignorance qui intervient. C'est ça. Ça devient foutaise, quoi. Ok, merci beaucoup. Très bon après-midi. Merci, très bon après-midi à vous. Merci. Bonsoir ma chérie. Bonsoir ma chérie. Comment tu vas? Je vais bien chez toi. Oui, ça va. Que détestez-vous le plus dans une relation amoureuse? Moi, sincèrement, je déteste le manque de confiance. Parce que dans une relation amoureuse, quand l'homme n'a pas confiance ou bien la femme n'a pas confiance, ça ne dure pas. C'est ce que moi, je déteste le plus. Donc, même si ton homme te ment, ça roule? Oui, si mon homme me ment, lui n'a qu'à me mentir, ça ne fait rien. Il sait pour peut-être celui qui me dit la vérité, peut-être qu'on va se discuter. Donc, il préfère me mentir. Ça fait rien. Mais quand il n'a pas confiance, c'est-à-dire même peut-être que je suis partie à la boutique, il va m'appeler, chérie, tu es où? Je vais dire non, je suis allée à la boutique. Puisqu'il n'a pas confiance, il va se dire c'est faux que je suis peut-être partie derrière garçon. Pourtant, s'il a confiance, si moi j'ai confiance à mon homme, que même s'il est allé derrière femme, que je lui demande tu es où, il me dit il est à la boutique. Il dit ok, il est à la boutique. Mais si quelqu'un vient me dire, il a vu ton mari comme ça, il a dit non, mon mari dit il a la boutique, donc il a la boutique. Tu vas applaudir. En tout cas, tu as bien. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. D'accord. Que détestez-vous le plus dans une relation amoureuse? Moi, dans une relation amoureuse, je déteste plus le mensonge, le manque de communication. Et puis, le mensonge, le manque de communication, surtout. Parce qu'on ne communique pas, on n'arrive pas à détecter le problème que l'autre a. Ah, ok. Donc, quand il y a manque de communication, pour moi, la relation ne peut pas être
exister. Ah oui, non, non, c'est pas si, t'es joli. Donc toi, c'est la communication et puis quoi? La communication et le mensonge. Et le mensonge. Donc l'infidélité, là, ça passe chez toi. Hein? Bon, ça passe pas, mais d'abord là, quand il y a la confiance et puis il y a le, on se dit tout là, forcer là, forcer là, il sera fidèle. Ah, ok, merci, bonne journée. D'accord, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Bien. D'accord, suivez ma caméra pour me faire plaisir. Ah, d'accord. Que détestez-vous le plus dans une relation amoureuse? Une relation amoureuse. Bon, moi en fait, ce que je disais, c'est lorsque elle joue un double jeu, quoi. Voilà. Comment ça? Elle joue un double jeu comment? Ah oui, mais elle est avec toi. Pendant qu'elle est avec toi, elle est avec encore un autre copain là-bas. Et puis elle vient, c'est pas des. Ça dit, c'est du mensonge. Tu vois, non, ça, c'est. Ça dit. C'est comme un couteau dans le dos. Voilà, donc ça là, c'est détestable. D'accord. Donc tu tombes sur une jeune fille qui. T'aimes. Peut-être que quand tu venais vers elle, tu es déjà avec quelqu'un. Mm-hmm. Mais comme elle t'aime, elle n'a pas voulu te dire ça. Maintenant, toi, tu découvres qu'elle te trompe un peu, mais tu es sûr quand même de son amour pour toi. Mm-hmm. Est-ce que pour ça, là, tu ne peux pas essayer de barnir un peu le côté mensonge que tu n'aimes pas? Bon, tu sais, on dit dans toute relation, c'est la base. Hein? C'est la base d'abord qui importe. Elle peut venir d'abord, dans un premier temps, elle peut me cacher ça. Moi, je peux découvrir. Mais de toute façon, bon, je ne suis pas quelqu'un qui découvre, en même temps tu réagis, non, tu découvres, tu lui pardonnes une première fois. Mais si tu vois que ça devient continuel, bon là, ce coup de poing même, tu as envoyé. Ouais, c'est ça. La première fois, tu as tapé l'œil, deuxième fois, là, quand tu vois que ça commence à saillir, là, c'est coup de poing même. Voilà, et puis quand ça se répète, maintenant, tu prends, puis tu shootes ça dehors. Petit. Tu la divorces en la chutant dehors, quoi. Quand tu parles de divorcer, ça, c'est rien. Tu shootes ça dehors même, tu shootes ça même. Ah! Ok, voilà. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci à vous pareil. Bonsoir ma chérie. Bonsoir madame. Comment tu vas? Ça va. Aussi, un peu ma caméra pour me faire plaisir. D'accord, ok. Le thème du jeu est simple. Que détestez-vous le plus dans une relation amoureuse? Bon, en ce qui me concerne, dans ma relation amoureuse, je n'aime pas, l'infidélité, j'aime pas le mensonge. Vraiment, une relation qui est basée sur le mensonge ne peut pas aboutir, elle ne peut pas aboutir. Ah bon? Tu trouves, hein? Il faut être clair, il faut s'ouvrir, que chacun des partenaires soit vraiment ouvert envers l'autre. C'est en cela que la relation peut aboutir. D'accord. Donc, si tu tombes sur un homme qui a de l'argent, qui fait tout pour toi, mais qui est infidèle, est-ce que tu peux le laisser tout ça? Un homme qui a de l'argent, qui est infidèle. Il fait tout pour toi, hein? Il fait tout pour toi, seulement qu'il est infidèle, puisque tu n'aimes pas l'infidélité. Justement. Justement, même s'il fait tout pour moi, qu'il m'est infidèle. Au début, ça sera parfait pour moi, mais arrivé à un moment donné, forcément, j'en aurai marre. Ça, c'est clair. Parce que quelqu'un qui va tout te donner, mais qui n'est pas près de toi, quand tu as besoin de lui, qui n'est pas là et qui est tout le temps vraiment loin, cette relation-là, moi, franchement, ça ne m'arrange pas. Ok. Merci beaucoup et très bonne journée à toi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Que détestez-vous le plus dans une relation amoureuse? Dans une relation amoureuse, ce que je n'aime pas particulièrement, c'est le mensonge. Voilà, le fait de ne pas avoir une communication. Voilà, parce qu'il faut avoir une bonne communication pour pouvoir être en bonne symbiose avec son conjoint. Voilà, donc pour ma part, ce sont les deux. Si ces deux points-là, voilà, il faut toujours avoir la vérité dans ce couple-là. Voilà, et être en communion, c'est-à-dire qu'il faut savoir toujours avoir converser, échanger des idées et autres. Voilà. Aussi, cette relation, il faut qu'elle soit basée sur la parole de Dieu. Voilà. Si elle n'est pas basée sur la parole de Dieu, c'est fichu. D'accord. D'accord. Donc, si je comprends bien, si vous avez une chérie que vous aimez bien, vous la portez dans votre cœur, si elle vous ment, à cause du mensonge, est-ce que vous pouvez rompre avec elle? Oui. C'est possible. C'est possible. Parce que avant que ça n'arrive à là, on s'est assis. On a échangé sur certaines choses, voilà, et puis on s'est compris. Voilà. Maintenant, il peut arriver qu'elle puisse, mentir. Mais mentir, là, il ne faudrait pas que ce soit à moi. Voilà. Il ne faudrait pas que ce soit dans la relation. Il faudrait que ce soit hors de la relation. Voilà. Pas dans la relation dans laquelle nous sommes présentement. D'accord. Merci, monsieur. Très bonne journée à vous. Merci, pareillement à vous.